لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون والمؤمنات، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que notre venue aujourd'hui soit sincère pour Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui écoutent, qui comprennent et qui pratiquent de la meilleure manière et qui pratiquent sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithuna al-yawm ayyuha al-ikhwa والأخوات، يكون عبارة عن بعض النصائح وبعض الأمور التي تتعلق بالمسجد. Notre discours aujourd'hui concerne des choses, des actes, des actions, des choses à surveiller, des choses à pratiquer qui concernent la mosquée, qui concernent ce lieu de prière. هذا المكان أيها الإخوة ليس كباقي الأماكن. هذا المكان الذي أنتم جالسون فيه هو بيت الله سبحانه وتعالى، وأنت الآن ضيف عند رب العالمين. L'endroit où vous êtes assis et assis aujourd'hui n'est pas un simple endroit, n'est pas comme une maison de l'un d'entre nous ou de l'appartement de l'un d'entre nous. Ce n'est pas un endroit comme tous les endroits, mais c'est un endroit spécial, c'est un endroit spécial qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous tous aujourd'hui, et nous tous, hommes et femmes et enfants, nous sommes l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on vient inviter chez Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des règles à avoir et des règles à pratiquer et des règles à respecter. وعندما نكون ضيوف عند الرحمن وضيوف عند الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر يستوجب علينا أن نحترم بعض الأمور. إذا دخلت إلى المسجد فأنت في رضوان الله عز وجل. Quand tu rentres dans la mosquée, tu es dans la miséricorde et dans la satisfaction et dans le meilleur endroit qui puisse exister sur terre, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقول كنا نخلف أمر الدنيا مع نعالنا. كنا نخلف أمر الدنيا أو نخلي أمر الدنيا مع نعالنا. يعني بعض الصحابة يقول كنا نخلي الأمور اللي كانت تتعلق بالدنيا والمشاكل تاع الدنيا والهم تاع الدنيا كنا كنخليه مع الأحذية الخارج. يعني أننا عندما ندخل المسجد ندخل بقلب متعلق بالله عز وجل. فزاد آخر وقال له يا أخي وزيد على ذلك نخلي أقدارنا. ما معنى نخلي أقدارنا؟ يعني نخليه القيمة ديالنا، قيمة كإنسان مع الناس، اتركها في الخارج. لأنك عندما تدخل المسجد يصبح الطبيب كالمعلم، والمعلم كعامل النظافة، وعامل النظافة كالمهندس، والمهندس كالرئيس، والرئيس كالوزير، والوزير كالفقير. كلنا سواسية أمام الله عز وجل.
يبقى الفرق هو التقوى وهو ما يقر أو ما يوجد في قلب الإنسان. L'un des compagnons a dit, quand on rentrait dans la mosquée, on laissait toutes choses qui concernent la vie à dunya, on les laissait avec les chaussures à l'entrée de la mosquée. Ça veut dire qu'on oublie dunya à l'extérieur et on rentre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre compagnon qui lui dit, et on laisse aussi notre statut social à l'extérieur de la mosquée. Ça veut dire que nous sommes tous, et aujourd'hui, tous qui sont assis et toutes celles qui sont assises aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre lui et lui, ne serait-ce que sauf par at-taqwa. La seule différence, la seule chose qui est différente aujourd'hui entre nous, c'est notre place et notre degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. العلاقة ديالنا بالله سبحانه وتعالى. إذن المسجد كلنا موجود في المسجد، ولكن القريب من الله عز وجل هو الذي له التقوى وله الخوف. فنترك أقدارنا ونترك القيمة ديالنا في المجتمع، نتركها في الخارج وندخل إلى المسجد بقلب سليم. Donc on laisse notre statut social à l'extérieur, on laisse nos dunya à l'extérieur. Et dès qu'on franchit la porte de la mosquée, eh bien on est comme tout le monde. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la piété, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette jalsa, les rakum l'an jalsina, la jalsa, c'est facile. Ce que vous faites aujourd'hui, et ça c'est une, yani subhanallah, il y a bouchra, nabi alayhi salatu wa salam, c'est une bonne nouvelle. Que nous annonce le prophète عليه الصلاة والسلام et que Allah عز وجل nous annonce dans le Coran الكريم وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تجعلوا مع الله أحدا. Les mosquées sont pour Allah سبحانه وتعالى. فأنت ضيف عند الله عز وجل والله عز وجل يكرمك. والمضيف أو المضاف أو المضاف أو الذي نزوره هو الله سبحانه وتعالى. Donc celui qui est à qui on rend visite quand on rentre à la mosquée, eh bien on rentre chez Allah subhanahu wa ta'ala. On rentre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni la mienne, ni la vôtre, ni celle de l'un et de l'une qui demeure parmi nous. إذن عندما ندخل المسجد هناك أمور يجب أن نتحلى بها أيها الإخوة وأن نطبقها وأن نحترمها حتى يقبل الله عز وجل منا أعمالنا. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها من قول حديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجالسنا حتى إذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا. Aïcha disait que le prophète عليه الصلاة والسلام, il partait avec nous, il s'asseyait avec nous, on discutait, mais dès qu'il entend l'adhan, c'est comme s'il ne nous a jamais connus. Ça veut dire que, sallallahu alayhi wa sallam, il se prépare pour venir faire la prière, il se prépare à faire la prière. Et c'est pourquoi il disait à Bilal, comme ce qu'on a dit dans un sermon, Arihna biha ya Bilal, repose-nous ya Bilal avec la prière. Quand il rentre dans la prière, c'est un autre moment, c'est un autre monde et c'est un autre endroit. Et ce n'est plus la même personne alayhi salatu wa salam. Hatta idha hadara nida, faka'annahu la ya'rifuna. يعني تغير النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه يريد أن يستعيد للقاء الله عز وجل، يستعيد بقلبه. نستعيد مثل 24 ساعة في اليوم، يوم والليلة 24 ساعة. فخذ 23 ساعة للعمل ولكل ما تريد، واترك تلك الساعة للصلاة، اتركها لله عز وجل، ولا تفكر في شيء إلا في الصلاة. فإذا دخلت إلى المسجد فانسى كل شيء ولا تخف، لأن الله عز وجل أنت في بيت الله، والله عز وجل يقضي حوائجك ويسير أمورك. Donc quand nous avons 24 heures dans le jour et la nuit, 24 heures, eh bien, prends les 23 heures et garde une heure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as la prière, quand tu la dispatches dans le temps, tu la divises et tu la partages dans la journée, eh bien, une heure pour ta prière. Quand tu rentres dans ta prière, essaye d'oublier ce monde. Et quand tu rentres à la mosquée, essaye donc. Et il appelle, il appelle à moi-même, à mes enfants et à mes frères et sœurs, à nous tous. Quand on rentre à la mosquée, essayons de pratiquer cette chose-là. Quand on rentre à la mosquée, on est à la mosquée pour Allah Azza wa Jalla. On oublie de bien et on ne parle plus. Donc, parce que des fois, quand on rentre dans les mosquées,
vous avez ou vous entendez ou vous voyez des choses terribles. Il y en a qui parlent des voitures, il y en a qui parlent du commerce, il y en a qui parlent de leurs problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec Masjid. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont même à la mosquée, ils font de l'anima et ils font de la ou à être le Masjid dans la mosquée. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire présenter. Il n'y a pas de place. الأمر اللي خصنا نفهمه أنه في بعض الكلام لا يليق بالمسجد. المسجد للصلاة والدعاء وقراءة القرآن، وحتى قراءة القرآن تكون بصوت منخفض حتى لا تزعج الناس. Même dans la lecture du Coran Karim, tu dois la faire modérément et avec une voix douce que à vous il ne faut pas déranger les autres. إذن عندما تدخل المسجد استعد بقلبك وادخل بحب وادخل مرتاح. دخل المسجد وأنت مرتاح. رقى المسجد avec le cœur apaisé. Oublie les problèmes. Même quand il faut Allah Azza wa Jal, il va résoudre tes problèmes. Tes problèmes sont dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous enrichir, est capable de résoudre nos problèmes, est capable subhanahu wa ta'ala de nous donner tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Et on a l'impression que nos du'as ne sont pas exaucés. Donc quand on rentre, on oublie et on s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala. On entre le masjid, on tawakkal Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla yaghfir dhunub, Allah azza wa jalla yashfi amrad, Allah subhanahu wa ta'ala va guérir nos maladies. Si on est malade, on se dirige vers Allah azza wa jalla. Quand on est à la mosquée, on oublie et on fait des du'as pour nous, pour nos frères. Et là, j'annonce juste la nouvelle parce que la semaine dernière, en sortant de la mosquée, il y a un frère qui vous, spécialement pour vous, il vous remercie beaucoup pour vos du'as. Parce que la sœur qui était sortie de l'hôpital paralysée, qui ne pouvait plus marcher, elle était enceinte et après l'accouchement, elle ne pouvait plus utiliser ses jambes, elle était paralysée totalement au niveau des jambes. Eh bien, avec vos du'as, Allah Azza wa Jalla, salam alaikum. Et maintenant, elle marche, elle était paralysée au niveau des jambes, maintenant, elle marche, alhamdoulilah, grâce à Allah Azza wa Jalla. Et puis, votre du'as, c'est pourquoi je vous disais, faites attention, quand vous êtes à la mosquée, faites les du'as de votre cœur. Quand on est dans la mosquée, il faut qu'on soit apaisé dans notre cœur. Drôle mentaire, une seule machette. Oublie les problèmes, oublie les crédits, oublie les problèmes de travail. Mais rentre apaisé dans ton cœur et aie la confiance en Allah Azza wa Jalla. Tiens, fais rabbi. Ou le nabi. Bah, c'est Mohammed al-Bilhaq. Hada amra la yahtaj al-hadif. Ou man yattaqillah, yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Crains Allah Azza wa Jal, et taqillah, et tu vas voir. T'as des problèmes. Taqillah Azza wa Jal, et tu vas voir. Ma qu'il te staghfiru rabbakum. Quand vous lisez sur la Nuh, yursilu sama'a alaykum idrara, wa yundidkum bi amwali, wa manina, wa yaj'alakum sadd, wa yaj'alakum anhara. Allah Azza wa Jal est capable de nous donner. Donc quand on rentre à la mosquée, au moins, on prend un petit moment pour nous. La mettre trois de masjid, trouve un peu de temps, nafsek. Nous t'adhâchons de masjid, wa tussalli bi rahma. ومن هذه الأمور الله عز وجل يقول في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد آية فيها تفاسير للعلماء الله عز وجل يقول في سورة الأعراف à chaque prière ou à chaque rentrée dans la mosquée allez prenez vos parures habillez-vous de la meilleure manière لما تأتي المسجد أنت ضيف عند الله عز وجل وأنت مدعو عند الله عز وجل لما يستدعيك مدير شركة أو مدير عمل أو معلم أو في مدرسة لما يستدعيك فأنت تستعد لهذا اللقاء بل حتى الجوال حتى الهاتف تتفق قبل ما ندخل فلماذا لا نفعل شيء عندما ندخل إلى المسجد؟ دي فوا أون رونديفو دي فوا أون كونفوكي باغ أن ديريكتور لو ديريكتور دو ترافاي أو بيان باغ أن ريسبونسابل أو بيان باغ أن هو ريسبونسابل Eh bien, avant d'aller voir cette personne-là, vous l'avez remarqué, avant d'aller à ton entretien, tu te prépares. Tu prépares les meilleurs habits, tu t'habilles correctement, tu te parfumes pour les hommes, tu te parfumes avant de sortir, tu regardes dans la glace, tu restes pratiquement 10 minutes devant la glace pour voir si tout se passe bien. Et en plus de tout ça, avant de rentrer voir le responsable, tu éteins ton portable parce que tu n'as pas envie que ton portable te dérange. Pourquoi on ne fait pas pour rentrer à la mosquée la même chose? Pourquoi on ne fait pas pareil? Alors que c'est là où on est invité par Allah, subhanahu wa ta'ala, le niveau akbar de tous les chers.
تدخل المسجد وتقول الله أكبر، الله أكبر من كل ما تركت ورائي. الله عز وجل يبلغ عنك tout ce que j'ai laissé derrière. إذن خذوا زينتكم عند أن نستعد للمجيء إلى المسجد بالملابس الجميلة وبالهيئة الجميلة وبالملابس النظيفة. Il faut qu'on fasse très attention. Mes frères et mes sœurs, quand on rentre à la mosquée, faites attention. En fait, Ali Sadou Sal nous a même conseillé de vous aider attention à ce que vous mangez avant de venir à la mosquée. Quand vous prenez la suite, il fallait. Mais quand il y a un ou un peu masal, ou un quelqu'un qui rentre à la mosquée qui a mangé l'ail, ou qui a mangé des oignons, ou qui a mangé un repas ou de la nourriture qui laisse l'odeur, mais tu gênes tes frères, tu gênes tes sœurs, tu gênes les malaïka et les mâles, tu gênes les anges qui sont avec toi, tu gênes tout le monde. Et en plus, on rajoute également les chaussettes, les jeunes, les enfants. Changez vos chaussettes avant de venir à la mosquée, c'est très important. Tu sais pourquoi? Parce que quand toi tu mets ton pied sur le tapis, et bien peut-être qu'à ça, il y a ton père, ou bien il y a une personne qui vient, et il va se prosterner, il va poser son nez sur, à la place où il y avait ton pied, là où il y avait tes chaussettes. Et bien s'il y a des microbes, il va les respirer, il va tomber malade. Il va vous prosterner, il a même l'odeur des chaussettes des frères, du frère qui est devant toi. يعني الإنسان بالجوارح أو رائحة العرق أو رائحة الإنسان يحاول لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الإنسان من سنة أن الإنسان يوم الجمعة يستحيل يكون دوش أبو الدنيا على مصر أبو الدنيا على صلاة الجمعة يستحيل أبو الدنيا من ميور زابي في فوا في il vient avec sa blouse de sport, après le sport, allez hop, il met un djellab au courrier, il se met à l'extérieur, derrière, il met des habits, il rentre. Il y en a qui ne mettent même pas de djellab, et ça je le dis en français directement pour inciter à nos jeunes. Les jeunes, attention, vous savez que parmi les conditions de la prière, c'est ça va l'aura. Mais je suis en ça va. Mais je considère que ça va, pour que ta prière soit valide, il faut que tu caches tes parties intimes, il faut que tu passes ton aura. Et l'aura, quand déjà, il y en a 100 fois, il n'en va pas. Et il y a des jeunes qui rentrent, et ils prennent des habits très courts, un pull très court, mais quand il se prosterne, il y a la haute directe d'arbre. Des fois, le frère qui fait la prière, il rêve, il est gêné, ça concerne le frère plus. Donc, quand tu rentres à la mosquée, essaye, les frères qui travaillent pareil, essayez d'avoir par exemple un jeune avant, il faut qu'il y ait un abonné dans ta voiture. Tu la mets dans ta voiture, si tu trouves une mosquée, quand tu rentres, tu au bien, au moins, au pire. Le minimum, c'est de, par exemple, derrière, il y a des fourquillés, il y a des djellabas, et bien tu les mets à ton poste. Quand tu t'inclines, et quand tu te prosternes, même maintenant, si on oh, le matin, il y a des parties qui se découvrent. Et ça, c'est actuellement. Ça gêne la personne qui est à côté de toi, et ça te gêne tout. Et même, il y a des problèmes, il y aura des problèmes dans ta prière. Parce que là, on a bien créé le sourd, là. Qu'est-ce que tu as dit, Jamal? Concernant le téléphone portable, l'utilisation du téléphone portable, même la parole, le hadra, le kalam, bah, l'ahlam, il faut l'imam yachtoub, on a s'il kalmou. Bah, l'ahlam, l'imam yachtoub, ou l'issa, il kalmou, bélum, l'ikhwan, dans le sous-sol, quand il y avait le sous-sol, il parlait. Le téléphone, on a des mêmes qui surveillent, qui regardaient leur message, dans le sabbat, dans le khutbat de Jumu'a. Donc, il y a autre chose, donc, il y a un amr yamour, le sur'a, amr acha, il y a un amr acha, il y a de la miséricorde entre nous. Binaire de Moshi. Quand on veut sortir, on essaie de sortir doucement. C'est pas la peine. Et ça concerne beaucoup les femmes. Parce que j'ai eu des retours de la part des frères, et dont leurs filles et leurs femmes leur ont dit, pour les sœurs, faites attention quand vous descendez les escaliers. Il y a tellement de monde, mashallah, et ça nous fait, ça réjouit le cœur. Il y a tellement de monde, regardez combien de frères, mashallah, combien de sœurs, alhamdulillah. Et quand vous descendez les escaliers, faites attention parce que quand il y a la bousculade, par sécurité, s'il y a une sœur qui tombe, est-ce que tu veux être la cause d'une sœur qui va avoir une fracture qui va... Parce que s'il y a une personne qui tombe, tout le monde va se mettre dessus, personne ne pourra se retenir. Parce que quand il y a un qui tombe, quand il y a la foule, s'il y a une personne qui tombe, ça va être. Et imagine que tu vas perdre ta femme dans cette foule. Imagine que tu vas perdre ta maman dans cette foule. Donc, on essaie, imagine, on prêche surtout pour les sœurs, quand vous descendez, essayez de descendre et de sortir dans le cas, Inch'Allah, et laissez les personnes jalouses. Ah, mais très bien, au moins.
Maintenant, les jeunes, quand vous voyez les hajj sortir, les grandes personnes, les personnes âgées, et bien même lui de la place, il a mis le hajj, tu prends le tel ou le, prends-lui par la main, et bien prends même ses chaussures, fais l'ami le hajj, on sent les chaussures, t'as mis le hajj, le bess. C'est comme ça qu'ils vont faire. Prends le hajj, il y a le hajj, le bess, vas-y. Mets tes chaussures. Nous sommes en train de faire, t'as besoin de rien, à la barakaté bien. Hakda, ou aoulou. Et moi, là, on pousse nos parents, on pousse les jeunes, ils ont saha, machallah, barakallah, et puis la bourse, ils poussent une femme, bien sûr, pour rêver. Imagine que tu me fais tomber ici. Et un jour, tu vas être à ta place. Un jour, toi aussi, tu auras 70 ans, tu auras besoin de quelqu'un qui se comporte avec toi de la meilleure manière. Et tu as besoin de quelqu'un qui se comporte avec toi de la meilleure manière. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas quand je suis à l'extérieur, on le voit aussi des jeunes. Quand il est à l'extérieur, je lui dis plusieurs fois, donc en fait, j'insiste sur ça parce que malheureusement, c'est la réalité de quelques jeunes parmi nous. Quand il est à l'extérieur, il est souriant avec tout le monde. Il laisse le passage. Vas-y, madame, bonjour, merci. Non, allez-y. Allez-y, monsieur le premier, quand il y a la masque, il pousse bien la tête. Là, les jeunes, non. Ar-Rahma, soyez miséricordieux envers vos parents, soyez miséricordieux envers les personnes âgées. Quand tu viens une personne âgée, ben laisse-lui ta place. Et tu lui dis, viens, viens, viens. Parce que quand tu lui fais ça, il y a quelqu'un qui va faire pareil avec ton père. Et il y a quelqu'un qui va faire pareil même avec toi quand tu seras grand. ندخل بيننا الرحمة وتكون فينا الرأفة ونفكر في إخواننا. إذا هذه بعض الأمور أيها الإخوة الإنسان يحاول أن يطبقها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في أمر آخر يذكرني فقط لا أظن أنه يقع هنا في المسجد الحرام وهو ما يسمى بحجز أماكن. Il y a une chose peut-être qu'elle n'est pas faite dans notre mosquée, alhamdoulilah, c'est les réservations de place. C'est-à-dire qu'on trouve une personne, il met un tapis, là par exemple, met un tapis, deux tapis, trois. Quand il y a quelqu'un qui veut s'asseoir, il dit non, on ne fait pas de réservation de place. Celui qui arrive, le premier, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré comme étant arrivé le premier. Et ce n'est pas parce que tu vas venir de l'extérieur, le dernier, tu arrives à 13h et tu avances. Pour et tu vas traiter les pas, tu vas dépasser le monde pour venir avoir une place devant. Allah subhanahu wa ta'ala sait qui est premier, sait qui est dernier. Donc même si on vient à la fin et on essaie, même si on a une place dans le premier rang, derrière directement l'imam, et bien tu n'es pas considéré comme étant celui qui est dans le premier rang parce que le hajra il est venu de 8h, depuis 11h il est là. Et ce n'est pas parce que tu es venu à t'asseoir à côté de lui, parce que tu vas gagner la même récompense. On ne réserve pas de place dans la mosquée. Et dernière chose, Inch'Allah, j'insiste à mes frères et à nos sœurs, on continue à être généreux. Nous avons besoin d'élargir la mosquée, d'élargir notre mosquée. Et vous voyez, plus vous les arrêtez, vous élargissez la mosquée, plus vous aurez la récompense devant Allah. فقط نذكر لكم إن شاء الله بأن صلاة العصر كان صلاة جنازة. لكن أريد الفعل صلاة جمعة من ملوزم اليكور فكيف السبيل الله رحمه رحمة واسعة. صلاة الجنازة صلاة العصر إن شاء الله بعد صلاة العصر.